Son Excellence, Monsieur le Président de la République, Monsieur Jovenel Moïse, Madame la Première Dame, Monsieur le Président de la Cour de cassation, Monsieur le Premier ministre nommé, Mesdames, Messieurs les membres du corps diplomatique et consulaire, Messieurs les hauts gradés de la PNH, Mesdames, Messieurs les membres du directoire du PHTK, Mesdames, Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames, Messieurs de la presse, Mesdames, Messieurs. C'est un immense honneur pour la présidence ce matin de vous accueillir à cette cérémonie de présentation. Et si je pèse le mot, cette cérémonie de présentation du Premier ministre nommé, eh bien, le fait de vous y accueillir nous fait chaud au cœur. Le président de la République, lors de sa campagne, a fait un ensemble de promesses à la nation à travers sa vision. Pour implémenter cette vision, il lui faut un homme à la dimension des défis de l'heure. Cet homme, c'est à la lumière de la Constitution qu'il lui fallait le choisir. En référence à l'article 137 qui stipule « Le président de la République choisit son premier ministre en consultation avec le président du Sénat et celui de la Chambre des députés. Ensuite, il soumet son choix au Parlement. Conformément donc à cet article, Son Excellence M. Jovenel Moïse a jeté son dévolu sur le docteur Jacques-Guy François pour l'accompagner dans la mise en œuvre de cette vision. Vous savez, le fort des grandes cérémonies, c'est qu'elles s'accompagnent souvent de ces pépins, mais que nous surmonterons. Et le docteur Lafontaine sera mon premier complice dans cela et me prêtera toute sa compréhension, bien sûr. Alors, je disais qu'il fallait donc qu'il choisisse un homme à la dimension des défis de l'heure. Et c'est ce qu'il a fait le 22 février dernier à travers cet arrêté dont je vous donne lecture présentement. Vu les articles 133, 136, 137, 155, 157, 159, 160 et 163 de la Constitution, vu la démission du gouvernement, considérant qu'il convient de nommer le Premier ministre arrêté. Article 1. Le citoyen Jacques-Guy Lafontaine est nommé Premier ministre. Article 2. Une ampliation du présent arrêté sera remise à l'intéressé. Article 3. Le présent arrêté sera imprimé, publié, exécuté aux fins de droit. Et c'est afin de matérialiser ce devoir du chef de l'État qu'il a bien voulu accomplir, que vous êtes tous là ce matin. Merci donc de votre présence. Et tout de suite, on passe à la remise de l'ampliation à l'intéressé. C'est Son Excellence, M. Jovenel Moïse, qui va avoir le privilège de remettre l'ampliation au docteur Jacques-Guy Lafontaine. Nous demandons à l'assistance de bien vouloir se prendre au siège. Les photographes. Le président de la République, certainement, a un mot à dire à celui qu'il a choisi pour l'accompagner dans cette noble, mais combien difficile tâche de conduire la nation tout entière sur la voie du développement durable. Son Excellence, le microphone vous attend. Merci beaucoup.
Aujourd'hui, c'est un jour spécial pour moi. Dans ma campagne électorale, j'étais clair, je voulais avoir un premier ministre à partir des premiers jours du début de mon mandat. Nous sommes encore au mois de février et le premier ministre nommé est là. J'ai promis de renforcer les institutions. J'ai promis de mettre ce pays sur les rails de la stabilité qui est pour moi le premier des biens publics. Et sans les institutions fortes, il ne peut y avoir de stabilité politique. J'ai fait choix du docteur Jacques-Guy Lafontaine comme premier ministre parce que c'était l'un des membres de cette éminence grise. Je parle de ce grand groupe caché qui travaillait derrière moi. Il a fait presque toute la campagne avec nous. Certains membres de l'équipe peuvent en témoigner l'effort que ce monsieur a fait, tant dans ses contacts avec le secteur socio-professionnel, l'université, secteur paysan. C'est quelqu'un qui a travaillé avec nous pendant ces longs 22 mois. Aujourd'hui, nommé Premier ministre, je voulais, avant sa présentation de politique générale au Parlement, je voulais présenter le Premier ministre au peuple haïtien pour dire: vous m'avez fait confiance, vous avez fait confiance à quelqu'un qui a fait campagne pendant 22 longs mois. Vous avez fait confiance à un président qui a parcouru ce pays pendant 4 fois. Et vous m'avez voté avec une majorité absolue à 55,6%. Aujourd'hui, je suis votre président. Je vous demande de continuer à me faire confiance. Parce que sans votre support, je ne pourrai jamais, jamais réaliser ce beau rêve qui est de mettre Haïti sur la route du développement, sur la route du changement réel pour écrire la première page de l'histoire économique de ce pays. J'ai fait choix de cet homme silencieux, silencieux je dirais comme moi. J'étais un inconnu. Je me souviens en juillet 2015, quand le président Martelly et le PHTK, présidente, je vois que vous êtes là, merci d'être venu, quand ils ont fait choix de moi à l'une des stations de radio de la capitale, un éminent politicien, un grand politicien, avec un grand journaliste qui a posé la question: qu'est-ce que vous pensez du choix du président Martelly? Le politicien se mettait à rire. Et le journaliste lui disait: pourquoi vous riez comme ça? Il a dit: c'est parce que le président Martelly est fou. Ce monsieur ne sera rien. C'est parce que j'étais membre de cette majorité silencieuse. Parfois, ce n'est pas la minorité bruyante qui a toujours raison. Aujourd'hui, c'est la majorité silencieuse qui a raison. Et le choix du docteur Jacques-Guy Lafontaine comme premier ministre donne raison encore à la majorité silencieuse. Elle est silencieuse, certes, mais elle est souffrante aussi, cette majorité. Cette majorité qui veut voir enfin une Haïti meilleure.
cette majorité qui veut voir des institutions fortes dans ce pays, cette majorité qui veut voir enfin les enfants du peuple à l'école, cette majorité silencieuse qui souffre du comportement de certains, je dirais, politiciens de ce pays. Moi, je dois vous dire aujourd'hui que je veux que la politique se fasse entre le noir et le blanc, mais non pas le gris. Il faut cesser cette méfiance dans la politique en Haïti. Nous avons besoin d'établir la confiance entre nous. Nous sommes tous des Haïtiens et nous voulons diriger ce pays ensemble. Et aujourd'hui, je l'ai dit, ce gouvernement que le Premier ministre nommé, que je suis en train de vous présenter ce matin, va diriger, ce sera un gouvernement d'ouverture, d'union nationale, un gouvernement de compromis où tout le monde va avoir sa place. Et mon comportement comme président de la République, le 7 février, après mon investiture, j'ai entendu beaucoup de choses. Mais ma collaboration avec le gouvernement démissionnaire est une collaboration excellente. Les ministres qui sont là peuvent témoigner. Je ne suis pas celui qui va faire cette chasse aux sorcières que certains politiciens rêvent de voir ce pays sur la route de l'instabilité. Je veux la sérénité. Je veux voir un pays enfin uni, un pays prospère, avec le support de la communauté internationale. Je sais que vous êtes en Haïti, vous êtes là parfois en tant qu'observateur. Maintenant, je vous invite à participer dans cette grosse machine que nous sommes en train de faire démarrer. C'est la machine du développement. J'ai entendu, le 4 juillet, j'étais à la résidence de l'ambassadeur américain. Il eut à dire que les États-Unis sont fatigués avec les projets pilotes en Haïti. Les États-Unis veulent voir enfin des projets structurants dans ce pays. Mais je pense que ce n'est pas les États-Unis seulement. Tous les pays amis d'Haïti, vous tous ici présents, vous êtes fatigués aussi avec les projets pilotes. Vous voulez voir des choses structurantes. Vous voulez voir de grandes choses comme chez vous, il y a de grandes choses. Eh bien, je suis là pour ça. Je suis président serviteur qui est prêt à servir son pays, qui sait que le pouvoir qu'il a entre ses mains, ce n'est pas un pouvoir pour être servi, mais c'est un pouvoir pour servir. Je suis là pour servir mon pays. Je suis là pour résoudre le problème de l'énergie qui dure, qui a trop duré. Ça fait des dizaines d'années depuis qu'Haïti ne peut pas prendre les rails du développement à cause de l'énergie. Nous savons tous qu'est-ce que ça veut dire pour le développement d'un pays. On ne peut pas développer un pays sans l'énergie électrique. On ne peut pas développer un pays sans les infrastructures. On ne peut pas développer un pays sans une bonne politique de santé, une bonne politique d'éducation. On ne peut pas développer un pays sans la maîtrise et la gestion de l'eau de surface avec les changements climatiques que nous sommes en train de connaître aujourd'hui. Je remercie les parlementaires ici présents, les sénateurs, pour votre support parce que la 50e législature sera la législature la plus productive de ce pays. Je vous félicite, messieurs. Je vois ce que vous êtes en train de faire. Il y a beaucoup de lois en souffrance depuis des dizaines d'années que le Parlement commence à voter maintenant. Et la nation peut compter sur moi. Le Parlement est là pour contrôler l'exécutif. Mais contrôler ne veut pas dire se battre. Nous ne sommes pas là pour nous battre. Nous ne sommes pas là
pour travailler contre le peuple. Nous sommes là pour harmoniser nos relations, la relation entre le Parlement, l'exécutif et le pouvoir judiciaire doit être une relation cordiale. Nous devons nous mettre ensemble pour sortir l'État dans la rue. L'État est dans la rue, messieurs et dames. Nous devons sortir l'État dans la rue. Président, je parle au président de la Cour de cassation. Vous le savez mieux que moi, cher maître. Le pouvoir de l'État se compose de trois pouvoirs. Le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire. Président de la République, garant de la bonne marche des institutions de mon pays, je dois vous dire que je suis prêt à travailler avec vous, président, parce que il ne peut y avoir de pays, il ne peut y avoir d'administration publique sans la collaboration de ces trois pouvoirs. Je compte sur vous, vous pouvez compter sur moi. Honorable député, honorable sénateur, aujourd'hui, nous sommes à un carrefour historique où notre génération a un seul choix. Nous n'avons pas de choix. Un seul et unique choix, celui de réussir. Nous n'avons pas d'eux. Je suis prêt. Je suis prêt à travailler avec vous, avec beaucoup d'humilité et de sagesse. J'ai fait ma campagne pendant 22 mois. Le peuple a voté pour moi. Maintenant, le pouvoir est entre nos mains. Le peuple a voté pour vous aussi. Nous devons nous mettre ensemble pour réaliser les promesses de campagne que j'ai faites, que vous avez faites aussi à ce peuple, parce que Haïti est fatigué. Haïti est fatigué avec cette lutte fratricide. Haïti est fatigué avec cette lutte idéologique, stérile, je dirais, qui empêche à ce pays de prendre la route du développement. Je compte sur vous, les représentants de partis politiques qui sont là. Depuis ma campagne électorale, j'étais clair, j'ai bien expliqué qu'il y a une classe politique démocratique et il y a une classe politique traditionnelle. J'ai fait la démarcation depuis ma campagne électorale. Je sais que la classe politique démocratique qui est là, qui représente l'opposition politique, il ne peut en aucune façon avoir de démocratie dans un pays sans l'opposition politique. L'opposition est indispensable, mais l'opposition doit être productive. Nous ne pouvons pas avoir une opposition stérile, une opposition qui bloque la marche de l'histoire. Je compte sur vous, politiciens, socioprofessionnels, membres de la société civile. Nous devons tous nous mettre ensemble. L'Église, quand je parle de l'Église, je parle de toutes les confessions. La police nationale, le directeur général qui est là, notre collaboration depuis les résultats définitifs des élections est une collaboration parfaite. Je compte sur vous, je compte sur le haut commandement pour que l'ordre soit rétabli dans ce pays. Parce que l'ère de l'anarchie, cette ère-là, doit être une ère jadis. Nous voulons que ce pays, que la hiérarchie soit respectée dans ce pays. Haïti, c'est un pays comme tous les autres pays. Nous ne pouvons et nous ne devons pas avoir un comportement de peuple hors norme. Nous devons respecter les standards. À la tête de l'État, je vais faire respecter les institutions de mon pays parce que l'État, dans tous les pays du monde, l'État est noble. Et en Haïti, ça doit être comme ça aussi. Je vous remercie.
Depuis tantôt 48 heures, le docteur Jacques-Guy Lafontaine sait qu'il n'y a plus que ses patients, ses amis proches, ainsi que les membres de sa famille qui comptent sur lui. Il sait que beaucoup d'yeux, les yeux de toute une nation et de la communauté internationale également, sont rivés sur lui parce que, étant désigné par le chef de l'État pour être le copilote, il sait que le défi est de taille. Il sait que toute la nation haïtienne compte sur lui pour qu'au terme de ce qu'il aura à entreprendre comme démarche auprès des parlementaires, il puisse s'élever à la hauteur des espérances fondées en lui. Et ce matin, certainement, il a quelques mots à dire avant que de se présenter au Parlement haïtien pour les suites constitutionnelles. Monsieur le Premier ministre nommé, s'il vous plaît. Excellences, Monsieur le Président de la République, Madame la Première Dame, Monsieur le Président de la Cour de cassation et Président du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, Messieurs les Présidents des blocs parlementaires, Messieurs les parlementaires, Messieurs les membres du gouvernement de la République, Madame, Messieurs les membres du corps diplomatique, Messieurs les représentants des organisations internationales, Mesdames, Messieurs du directoire du PHTK, Mesdames, Messieurs les membres du PHTK, Messieurs les représentants de la coordination des alliés, distingués invités, Mesdames, Messieurs. Je m'en voudrais de ne pas remercier le président de la République d'Haïti, Son Excellence Monsieur Jovenel Moïse, pour avoir placé sa confiance en moi, en me choisissant comme Premier ministre pour conduire la politique de la nation. C'est un honneur, certes, mais ce n'est pas un cadeau. C'est une responsabilité, car je sais qu'en acceptant de servir mon pays, de grands défis m'attendent. Après avoir fait un état des lieux, après avoir présenté mon énoncé de politique générale au Parlement, je devrais m'atteler à la besogne pour accorder l'urgence aux 100 premiers jours du gouvernement Moïse Lafontaine et commencer avec les grands chantiers de développement que le président a présentés à la population. Cependant, rien de tout cela ne sera possible sans une franche, sincère et patriotique collaboration avec les honorables sénateurs et députés, dont j'espère qu'ils voteront la politique générale que je leur présenterai bientôt. Arrivé aux responsabilités, je promets d'être un homme d'ouverture, un premier ministre rassembleur, pour faire mienne la devise de mon pays, l'union fait la force. Je ferai en sorte que toutes les promesses de la campagne électorale du président de la République se réalisent dans la mesure du possible. J'aborderai point par point les différents projets mentionnés dans mon énoncé de politique générale.
Et tel qu'il a été promis par le président de la République, nous allons nous évertuer à faire d'Haïti une terre plus que jamais propice pour l'investissement et aux affaires. Élection te permet, population, faire un choix politique clair. Peuple là-bas et président Jovenel Moïse, mandat pour lui améliorer les conditions de la ville. Pour qu'il y ait l'autre l'État, un l'État fort, un l'État qui cabaille service à tout petit peuple là. Devoir PAM, comme premier ministre, c'est respecter l'engagement président te prend devant peuple là. Les nous respecter l'engagement président prend devant peuple là, n'a contribué dans l'effort pour moderniser la vie politique pays là. Et puis, et des présidents de la République là, mettez Haïti, pays noir, sous rail développement. Né et élevé dans une famille chrétienne anglicane. À ce stade important de ma vie de citoyen engagé, permettez-moi d'implorer le secours du Dieu trinitaire pour qu'il m'accorde la grâce nécessaire pour mener à côté du président de la République les lourdes responsabilités du pays. Je suis convaincu que notre chère patrie réussira grâce à l'engagement et aux efforts de ses filles et de ses fils. Vive Haïti! Merci.